Bonjour, je vous propose de faire aujourd'hui une petite variante de cet album en 15-15 que nous avons réalisé en vidéo, donc en deux vidéos. Donc c'est un album façon étoile qui est revisité, vous voyez, puisque vous pouvez l'ouvrir complètement. On va le faire ce coup-ci dans les tons roses, mais on va faire une variante. Il va être un petit peu différent. La collection Hello Little Girl de chez Craft O'Clock en 15-15. Je vais prendre pour la base, comme pour le premier, du cardstock couleur blanc cassé. Il va très bien avec. Alors c'est parti, on va découper dans ces pages-là. Donc 5 morceaux. Alors qui vont mesurer 15 par 30 cm. Donc déjà je vais recouper à 30. Alors placez bien votre massicot bien droit. Centimètres. Par 15. Donc là, on va en découper deux dans une page. Donc il nous faut 3 pages. On va plier ces pages en deux par le milieu. Alors je mets bord à bord. Et avec le plioir, j'écrase le pli. Nos 5 morceaux. Ensuite, on a besoin de petits raccords. Donc là, on va les faire. Alors, j'ai utilisé des chutes de papier à motif. Vous pouvez garder les tags d'embellissement qui sont ici pour la déco. Et à la fin, on a aussi des petits cadres. Donc on a plusieurs fois les mêmes pages. On va regarder ce qu'on va utiliser pour la couverture. Donc qu'est-ce que vous allez choisir? Par exemple, est-ce qu'on va mettre ce motif-là? Ou celui-ci avec le petit château? C'est joli aussi. Voilà, faut voir pour le bleu,
j'avais utilisé cette page-ci avec la dentelle. On avait rajouté de la dentelle et des fleurs. Donc c'est vraiment le même en version rose. Ou alors on peut changer et partir après sur une déco avec, je sais pas, peut-être des découpes de petits nuages, des fanions. Je ne sais pas. Regardez ce qui vous inspire. On a aussi le petit landau ici avec la robe. C'est mignon. C'est mignon tout ça. Tout est joli. Celle-ci aussi. Le plus difficile, c'est de choisir. Bon, là, je pense que je vais pas trop me compliquer, étant donné que j'aime bien le rajout de dentelle, de petits nuages et compagnie là-dessus. Donc, je vais partir sur le même motif pour la couverture. Donc, de devant, on va garder celui-ci. Et pour l'arrière, j'avais mis celui-ci. Donc, on peut garder ces deux. Ensuite, il vous faudra découper deux petits bouts de carton de 15 par 15. Donc là, c'est de la récup de carton derrière les albums, ou vous prenez de la cartonnette éventuellement. Donc on a besoin de ça. Ça, on le garde pour la couverture. Il va falloir aussi de la dentelle. Je vais prendre de la dentelle double rose. On va la couper en deux par le milieu. Et par contre, là, on va avoir besoin de quatre longueurs. Donc là, je vais la recouper déjà comme ça et par le milieu. Ça va me faire 4 morceaux. Alors environ 25 de long. Moi, je recouperai après. Donc là, la dentelle, vous pouvez la couper ici entre les deux coutures du milieu. Si c'est trop long, ben, je recouperai et je garderai un petit peu toutes ces chutes en fait, soit pour décorer les tags, soit pour faire des guirlandes de rubans avec des restes de dentelle, comme je vous ai mis le tutoriel en vidéo. Alors, un morceau déjà découpé. Donc, pour assembler nos pages, il me semble que j'avais utilisé une page à motif. Sinon, on peut faire avec du beige éventuellement, du papier blanc cassé. Oui, j'avais découpé des petites bandes. Donc, on va prendre ce papier-là. On va le découper à 15 de haut. Parce que là, il fait 15 de. Donc, on va recouper 2 mm. Et on va faire des petites bandes pour l'assemblage. Alors, je le recoupe à 15. Bon, il n'y a pas vraiment de sens là dans les petites fleurs. Vous voyez, on enlève 2 mm. Et là, on va faire des bandes de 2 cm de large. On va en faire 4. Contrairement à l'autre album où on en avait fait 5, on va en faire 4. On va faire un pli sur le milieu. Ici, on va plier à 1 cm. Je mets mon plioir en bas et je me positionne sur le bas pour ne pas enlever ma lame de découpe qui est en haut. Ma lame de coupe, je la laisse là-haut. Quand j'ai des petits bouts comme ça à plier, on peut le faire avec le bas du massicot.
Donc là, on marque bien les plis. On va le faire, on va marquer les plis dans les deux sens, puisqu'il va s'ouvrir dans les deux sens, il va s'articuler cet album dans les deux sens. Alors, donc, on va commencer par assembler nos cartons, comme ça. Donc, on a une première page. Je vais mettre le joli côté dans ce sens. Donc, on a une première page comme ceci. On va coller ici donc notre raccord. Et ensuite, on va venir coller notre deuxième page à la suite. Alors, vous pouvez le faire à la colle ou au double face, si vous voulez. Je vais le faire à la colle. Donc, je vais coller le côté marron pour garder le joli côté à motif. Enfin, c'est un joli motif aussi, mais moi, je préfère celui avec les petites fleurs. Donc je vais le poser au bord, donc bord à bord, vraiment bord à bord. En fait, comme ça va se plier comme un accordéon, on va venir coller notre deuxième page à la suite. Donc j'utilise la tacky-glue. Vous venez bord à bord et vous collez. Donc vous faites pareil pour toutes les pages et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez collé toutes vos pages en accordéon, on va utiliser une encre. Là, je vais prendre un vieux rose et je vais ancrer tout le bord de l'album, toute la structure. Un petit peu de rose, n'oubliez pas les plis intérieurs. On va faire les deux faces de l'album. Donc pour l'instant, ça vous fait un accordéon.
Et pareil pour l'autre face, en fait, tout l'arrière. On va faire pareil. Alors, donc, on a deux sens, donc on va choisir l'endroit. Alors, pour moi, l'endroit, ce serait plutôt ce côté-là, où on voit la jolie reliure. Donc, ça va changer par rapport à notre album garçon. Du coup, comme l'endroit, c'est dans ce sens... On va le plier, c'est un petit jeu d'accordéon, comme ceci, voilà. Donc ça s'ouvre comme ça, donc ça va être pour la couverture. Alors, le petit changement qu'on va faire par rapport au premier, c'est qu'on va mettre un morceau de dentelle pour le fermer de ce côté, et un morceau pour le fermer de l'autre côté. Il sera fermé également à l'arrière. Donc c'est la petite fantaisie qui change. On va prendre... du double face rouge 15 mm, bien costaud, et on va coller déjà un morceau à mi-hauteur, pas complètement au bord, laisser un petit espace. Alors si vous utilisez le motif dentelé sur le haut, ben, en face, c'est pareil, il faut mettre le motif dentelé sur le haut. Si vous le faites sur le bas, ben, vous faites dans le même sens en tout cas. Donc avec l'aiguille de piquage, je vais enlever la petite pellicule de double face. Pas toujours facile. Il colle tellement bien que... Voilà. On a du mal à l'enlever. Donc là, je mets... mon morceau de dentelle, pareil pour l'autre côté. On la recoupera après si c'est trop long. On remet un morceau par-dessus. Au moins là, ça bougera pas. On le met sur l'arrière et on va faire la même chose. Pareil, dans le même sens, à la même hauteur.
Et là, on va pouvoir coller notre carton, la cartonnette que vous aviez. On va pouvoir la coller dessus pour renforcer la couverture. Donc là, je vais mettre un petit morceau de double face. De toute façon, je vais coller ça. Je vais coller le carton au double face. Bon, je ne vais pas prendre du rouge pour cette opération. Le blanc, c'est suffisant. Donc, on enlève encore la petite protection de scotch. Autant l'utiliser. À l'arrière de la cartonnette, je vais mettre du double face tout autour. Et sur le milieu, comme ça, un bon morceau en travers. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc 15 par 15, la couverture en carton. On fait pareil pour l'autre côté. Donc là, on a gardé pour la couverture ces deux papiers à motifs. On va les recouper en 15 par 15 puisqu'ils font 15-2. Je vais enlever les deux petits millimètres sur le bas. Ici, je vais enlever sur le haut. Et le côté droit. On va ancrer notre papier. Et nous allons coller nos deux couvertures sur notre album. Alors regardez, repérez l'endroit, le devant. Donc on avait dit qu'on utilisait pour celui-ci le devant, la partie où on a notre reliure. Donc dans ce sens, je vais coller ma couverture avant. Je vais la coller à la colle
Pareil pour l'arrière. Ça, c'est l'arrière de l'album. Alors ce qui est bien, c'est que ce sera aussi joli dans un sens que dans l'autre. Ça, c'est vraiment sympa. Donc ça va vous faire un album à double sens. Vous pourrez l'ouvrir d'un côté ou de l'autre, individuellement, ou des deux côtés en même temps, comme vous voulez. Donc là, c'est vrai qu'on va pouvoir recouper la dentelle. On va regarder. Donc vous faites votre nœud. On va regarder ce qu'on a besoin, pas trop gros parce que l'album est petit, donc on va resserrer la boucle. Alors il va y avoir un petit peu d'épaisseur, il faut quand même qu'on garde ici un bon centimètre entre le nœud. Et là on voit qu'on en a beaucoup trop, donc on va recouper en biseau et garder le reste pour les tags. Du coup, là, je regarde, j'ai enlevé environ 10 cm, donc je vais faire pareil pour ces deux côtés. Alors, pour la décoration des papiers, vous voyez, il y a un côté qui est fermé, toute une face fermée, et bien on peut quand même l'ouvrir comme un album normal, sans déplier tout l'accordéon. Si vous voulez déplier l'accordéon, il faudra défaire le nœud sur le devant ou à l'arrière. Donc pour l'intérieur, on va prendre donc les papiers à motifs. Vous allez choisir ce que vous voulez comme motif et là on va les recouper. Donc comme ils font 15, je vais mesurer. On va les recouper en 14 par 14. Et comme ça, on pourra faire des petits coins déco. Donc, pour cette partie-là où on n'a pas notre petite reliure à l'intérieur, comme de l'autre côté, on va les découper en 14 par 14. Allez, je vous le marque là. J'ai pas de crayon à papier. Je vais le faire en rouge. 14 x 14 cm. Pour cette partie de l'album, on en aura besoin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 morceaux de 14 par 14 que vous choisissez à votre convenance. Vous avez tous les papiers en double, en triple, je crois. Donc vous pouvez en mettre un de chaque. Choisissez ce que vous voulez. Allez, on découpe les papiers et on se retrouve après. Donc 8 morceaux de 14 par 14. Une fois que vous avez coupé vos 8 morceaux en 14 par 14, vous allez bien ancrer les bords en rose de toutes les pages. Donc on va les coller. Donc j'ai choisi une page avec des motifs comme ça pour la première page. Pour celle de droite, j'ai utilisé des motifs, comment dire, l'arrière des motifs principaux, on va dire. Et ces motifs-là, je vais les couper, je vais couper les quatre coins
en concave. Donc je vais prendre ma perforatrice ici, glisser le papier jusqu'à la petite vis, la petite croix, et je vais appuyer fortement. Voilà ce que ça me donne. Donc dans ce sens, je vais faire les quatre angles. Et bien sûr, je vais rajouter un petit peu d'encre dans les angles, puisque j'avais déjà ancré tout le tour. Alors, je vais coller ça avec de la colle. C'est parti. Vous la centrez, vous laissez un petit peu de blanc cassé tout autour. Pareil pour la page de droite. Et on continue de la même façon. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin de l'album et on se retrouve après. Vous avez terminé de coller toutes ces pages-là. On va se retrouver d'ici quelques jours pour terminer cet album. À très bientôt.